Chers compatriotes, Mbotanabino Banso, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Voilà, chers compatriotes, comme vous pouvez le voir dans le titre, l'Ukraine veut ouvrir une ambassade à Kinshasa. Chers compatriotes, quel intérêt pour la République démocratique du Congo? Voilà, chers compatriotes, vous permettez, je dois chercher cette information où je l'avais. Elle est égarée, mais je suis sûr que je vais la trouver. Oui, j'ai trouvé l'information en question. Et c'est publié par foxtime.cd, un magazine en ligne de la RDC. Diplomatie, l'Ukraine manifeste la volonté d'ouvrir une ambassade à Kinshasa. Chers compatriotes, il y a des questions à se poser là-dessus. Vous savez que l'Ukraine est en guerre avec la Russie. Si l'Ukraine est en guerre avec la Russie, nous devons savoir que l'Ukraine est déjà dans le giron de l'Union européenne et de l'OTAN. Ceux-là même que nous appelons la communauté internationale et qui nous combattent. Donc, les États-Unis, l'Union européenne nous combattent en passant par le Rwanda, à qui ils donnent des armes. Il y a même pas une semaine, 20 millions de dollars au Rwanda, prétendument pour soutenir la protection du pétrole extrait au Mozambique et aider les troupes rwandaises qui font ce travail au Mozambique. Mais nous savons que c'est une façon de financer le Rwanda qui peut utiliser toujours cet argent pour continuer sa politique de corruption et d'achat de nos officiers, de nos soldats à l'est du Congo. Ils nous font cette guerre-là, non seulement sur le plan militaire, le plan des armes, mais ils ont commence à utiliser une autre arme, des sommes d'argent élevées pour corrompre des officiers congolais, des généraux, des colonels, des majors, et comme aujourd'hui, par exemple, Chico Chintambwe est soupçonné, mais bon, nous avons appris aussi que il avait failli être abattu par la complicité de ses officiers. Il a été accusé, et ils ont été accusés par un capitaine qui a téléphoné, qui aurait téléphoné à Chico Chintambwe pour éviter d'être assassiné. Mais nous avons appris que ce capitaine-là, qui n'est plus là pour témoigner, que il a été abattu. Eh bien, le chef d'état-major, Chiwewe Songessa, a convoqué Chico Tintambwe à Kinshasa et 8 officiers. Bon, ils ont été entendus aujourd'hui, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore la suite. Alors, quel intérêt nous pouvons avoir avec l'Ukraine? Nous savons que peut-être que la RDC peut accepter l'ouverture de l'ambassade de l'Ukraine
dans le sens de la neutralité ou le non-alignement, mais qui sait si cette ambassade-là, c'est un cheval de Troie pour l'Union européenne, pour nous déstabiliser. Je sais très bien que notre pays a besoin de la farine de blé, a besoin du blé, des céréales, que l'Ukraine produit en grande quantité. Mais il faut savoir aussi que la Russie produit les mêmes céréales. Et je me rappelle même d'une promesse de Poutine envers les Africains. Il avait dit qu'il est capable de fournir gratuitement des céréales pour les pays d'Afrique. Évidemment, les pays qui rejettent la France. Eh bien, c'est très délicat. Donc, nos gouvernants doivent cogiter, bien réfléchir, bien analyser avant d'accepter cette ambassade de l'Ukraine en RDC. Ou même si acceptation il y a, bien contrôler, bien, ben, comment les contrôler? Il paraît qu'une ambassade, quand elle s'ouvre dans un pays quelconque, le terrain de cette ambassade-là devient le pays de cette ambassade qui ne peut pas être violée. Vous savez que beaucoup d'ambassadeurs sont des espions. L'Union européenne nous combat. L'Ukraine, c'est l'Union européenne encore. Vous voyez? Et nous le savons très bien. Qui sait si c'est Emmanuel Macron qui l'envoie comme cheval de Troie? Je lis quand même l'article. J'ai essayé d'analyser un peu, de faire une petite dissertation orale là-dessus, pour que vous compreniez les enjeux, pour que nous comprenions les enjeux. Pourquoi l'ambassade de l'Ukraine en ce moment? Zelensky, qu'est-ce qu'il veut? Voilà, chers compatriotes, permettez, je cherche l'article en question. Conformément aux instructions du président Volodymyr Zelensky, l'Ukraine manifeste sa volonté d'ouvrir une ambassade à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, à en croire une note verbale adressée au vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. À ce sujet, l'envoyé spécial du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Maxime Soubki, effectuera du 9 au 11 avril 2024 une visite de travail à Kinshasa pour inaugurer l'ambassade d'Ukraine en République démocratique du Congo. Déjà inaugurée. C'est que les discussions ont déjà eu lieu. Préalablement, l'ambassade d'Ukraine au Sénégal présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et a l'honneur de lui communiquer ce qui suit. Conformément aux instructions du président d'Ukraine, Son Excellence, Monsieur Volodymyr Zelensky, du 9 au 11 avril 2024, l'envoyé spécial du ministre ukrainien des Affaires étrangères, le représentant pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Son Excellence Monsieur Maxime Soubeki, effectuera
une visite de travail à Kinshasa pour inaugurer l'ambassade d'Ukraine en République démocratique du Congo. Peut-on lire dans ce document? Et de poursuivre, Son Excellence Monsieur Maxime Subeke, eh bien, c'est un nom difficile à lire. On a écrit Subkh, sans voyelle, c'est des consonnes. Ben, je peux lire Subek, Subek, oui, ou Subek. Monsieur Maxime Subek arrive à Kinshasa le 9 avril 2024 à 23h25. C'est détaillé, hein, avec le vol 671 de Turkish Airlines en provenance d'Istanbul. Vol et heure d'arrivée rectifiée. Et quitte Kinshasa le 11 avril 2024 à 7h10 avec le vol 903 d'Air Côte d'Ivoire à destination d'Abidjan. L'ambassade d'Ukraine saurait gré au ministère de bien vouloir organiser une rencontre de Son Excellence Monsieur Maxime Soubek avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Son Excellence Monsieur Christophe Lutundula Apala, Pen Apala, le 10 avril 2024. À qui le représentant spécial de l'Ukraine transmettra un message personnel de son homologue ukrainien. Le ministre Dimitro Kuleba indique la source. Eh oui. Par ailleurs, l'ambassade d'Ukraine a saisi cette occasion pour renouveler au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo les assurances de sa haute considération. C'est le journaliste Blaise Bayombo qui nous livre ces informations à partir de Fox Times. Eh bien, l'intérêt que nous pouvons avoir aujourd'hui avec l'Ukraine, c'est un intérêt économique dans le sens de l'agroalimentaire, dans ce sens que nous voulons bien obtenir des céréales de la part de l'Ukraine, mais en échange de, je ne sais pas. L'Ukraine est en guerre avec la Russie. Est-ce que cela va plaire à la Russie que nous acceptions une ambassade de l'Ukraine en RDC? Eh bien, la République démocratique du Congo, ne soyons pas trop pessimistes, la République démocratique du Congo a le droit de nouer des relations avec les pays du monde. Tout dépend de leurs intentions. Oui. Nous sommes en guerre avec l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, mais nous avons quand même les ambassades de ces pays-là. Bien que nous ayons renvoyé l'ambassadeur du Rwanda, l'ambassade, elle est là, elle n'est pas fermée. Cela m'étonne. Cela m'étonne. Nous devrions également chasser l'ambassadeur de l'Ouganda, de l'Union européenne, même des États-Unis. Ils sont en guerre contre nous. Ils veulent la partition de notre pays, la balkanisation de notre pays. Il y a Paul Kagame, tout honte bu. Il veut qu'on lui cède des terres
en République démocratique du Congo, c'est-à-dire le Nord Kivu, et l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema. Ça, jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais de la vie, chers compatriotes. Voilà. Moi, je trouve que c'est trop tôt d'accepter une ambassade de l'Ukraine en ce moment. La Russie peut nous punir, décider de ne plus nous aider en armement. Mais je ne sais pas comment ça va se passer, hein. Donc, c'est une matière de diplomatie. Bon, il faudra bien que le ministre des Affaires étrangères puisse avoir des arguments solides pour expliquer à la Russie que cette ambassade-là vient dans un cadre de relations internationales qu'on devrait avoir avec d'autres pays. Mais cela n'a rien à voir à leurs intérêts en RDC et à nos intérêts auprès de la Russie. Voilà, chers compatriotes. Bon, si vous avez des impressions, envoyez-les à TV du peuple RD Congo dans les commentaires. Il y a un endroit pour les commentaires, chers compatriotes. Je pense que là, pour ce soir, je vais clôturer. C'était un flash informatif là-dessus. Alors maintenant, comment on fait pour arrêter? Je n'ai pas l'habitude de faire ça partir d'un smartphone. C'est eux qui m'ont invité à le faire. Je l'ai fait. Je pense qu'il faut arrêter là-bas. Arrêter la diffusion. En direct. Voilà. Allez, à la prochaine. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci Rwanda pour tout ton bien voler. Vous ne le savez pas, vous n'avez pas de l'humanisme. Vous avez la bouche autorisée, l'État. Les défenseurs.